recette super simple. C'est parti! Pour cette recette, il vous faudra 165 g de cassonade, 165 g de farine, 3 g de fleur de sel, 1 œuf, 165 g de beurre ramolli, 80 g de pralin, 150 g de pépites de chocolat. Étape 1. Prenez le beurre et versez-le dans votre saladier, ainsi que la cassonade. Ensuite, malaxez. Oh, c'est dégueu. Incorporez l'œuf, ainsi que la farine. Maintenant que notre pâte est prête, enfin presque, on s'attaque aux pépites de chocolat, maison bien sûr. Moi pour ma part, je mets du chocolat blanc et du chocolat noir, mais après vous pouvez mettre des Smarties, du praliné, du caramel, tout ce que vous voulez. J'ai mis ma préparation de côté, maintenant je m'attaque au chocolat. Et en petits morceaux, les pépites. Attention pour les plus jeunes, merci de faire ça avec un adulte. Ça pourrait être dangereux. Ensuite, on incorpore 3 grammes de sel, soit 3 français. Puis, ajoutez le pralin. Puis, incorporez le chocolat. Vous pouvez aussi acheter des pépites en supermarché. C'est aussi simple et c'est plus rapide si vous êtes pressé. Ça a l'air trop bon. Ensuite, allez humidifier un torchon pour poser sur votre préparation. Et mettez 30 minutes au réfrigérateur. Attention, c'est très important. Parce que sinon, si vous ne le mettez pas au frigo, ça va être tout mou et au moment de la dégustation, ça va être de la vraie bière. Et hop, au réfrigérateur s'il y a de la place. Celle-là, c'est la bonne. Au réfrigérateur, 30 minutes. On allume le four, 180 degrés et on laisse chauffer. 30 minutes plus tard, on prend la pâte dans le frigo. Maintenant, on fait des petites boules avec ses mains. Bien espacé. Maintenant, au four. 10 minutes à 180 degrés. C'est pas la bonne. Et on laisse cuire. Et les cookies sortent du four. J'espère que la recette t'a plu et que tu vas te régaler. Dis-moi en commentaire si tu as aimé ou réalisé la recette. En attendant, abonne-toi à ma chaîne Félix Cooking pour se retrouver pour une prochaine préparation. Bye bye! Oh, j'ai mis ma bouche. Ensuite, allez humidifier un torchon pour poser sur votre plaque, sur votre préparation. Nouvelle vidéo. Salut! Ah non, non, j'ai retiré. J'ai retiré la moitié. Abonnez-vous à ma chaîne Félix Cooking pour se retrouver une prochaine fois. Attends. J'espère que... On l'a fait trop. Ah, c'est pas possible, on y était prêts. Tu vas la re-réaliser. Tu vas la re-réaliser. Tu vas la re... Gérateur, s'il y a de la place. Il n'y a pas de place. J'adore.